Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, avec mon confrère Alexandre Foatelli, journaliste à la rédaction de Business Immo, nous recevons Pierre-Yves Bournazel. Bonjour à vous deux. Bonjour Inès, bonjour Alexandre. Bonjour Inès, bonjour Pierre-Yves. Monsieur Bournazel, vous êtes tête de liste Ensemble pour Paris avec Agnès Buzyn et également candidat à la mairie du 18e arrondissement de Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation sur BITV. Tout d'abord, si Madame Agnès Buzyn devient maire de la ville de Paris, elle souhaite remettre 20 000 logements à la disposition des Parisiens. Alors concrètement, Monsieur Bournazel, comment cette mesure se mettra-t-elle en place? C'est une très bonne question. Nous sommes contre une logique de bétonisation de la ville parce que Paris est une ville très dense et la capitale la plus dense d'Europe. C'est simplement 105 km² et nous concevons la politique de logement plutôt à l'échelle du Grand Paris. On y reviendra tout à l'heure. Et donc, on a travaillé sur un projet qui nous permettrait de remettre des logements vacants sur le marché. Il existe beaucoup de logements vacants, autour de 100 000 aujourd'hui à Paris. C'est 8% de notre parc. Et pour nous, il est impératif de permettre aux propriétaires de leur redonner envie, de les inciter à remettre leurs biens sur le marché. Et la ville doit y procéder, par exemple, par les incitations fiscales, mais aussi sur la manière aussi peut-être de récupérer ces logements pour les louer pour ces propriétaires-là et les remettre sur le marché. Voilà un peu notre stratégie, notre volonté de remettre au service des Parisiennes et des Parisiens un certain nombre de logements. Par ailleurs, Madame Agnès Buzyn propose également un fonds de solidarité pour le paiement de loyers de certains Parisiens. À combien ce fonds s'élèverait-il et comment serait-il financé? À ce fonds, c'est un fonds municipal, mais qui peut être nourri aussi d'autres soutiens, et notamment de l'État. Et j'ai moi-même, comme député, interrogé le ministre du Logement, Julien de Normandie, sur ce sujet. Quelle est l'idée et la philosophie derrière? C'est qu'aujourd'hui, dans la crise économique et sociale qui est là et que nous allons traverser dans les mois qui viennent, qui est une crise exceptionnelle, inédite, c'est l'idée de protéger à la fois les locataires pour les maintenir dans les logements sociaux et privés et protéger les propriétaires et notamment les petits propriétaires qui financent notamment leur retraite par l'investissement et notamment par l'achat de biens qu'ils mettent sur le marché à la location. Alors comment marche le fonds de garantie? Ce serait en fait une commission avec des dossiers, qui permettraient de voir si des Parisiens ont perdu du pouvoir d'achat, notamment par la perte de leur emploi, ils puissent rester dans leurs biens, et parce que la ville paierait de manière temporaire une partie de leur loyer. Ça les maintiendrait dans les lieux, et en même temps, le propriétaire serait payé. C'est un soutien aux locataires, et c'est un soutien aussi à l'activité économique en soutenant les propriétaires. Il y a beaucoup d'angoisse chez les Parisiennes et les Parisiens, parce qu'aujourd'hui, le loyer est très élevé à Paris, et dans les classes moyennes, le risque de perdre du pouvoir d'achat et de perdre son logement est une angoisse très très forte, et nous avons pensé qu'avec ce fonds de garantie, ça peut être une réponse utile. Alors, à combien ça va s'élever? Eh bien, cela, on ne le sait pas aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas combien de personnes vont être touchées, mais en tout cas, on sait qu'on va réserver une part du budget sur ce fonds de garantie municipale du paiement des loyers, protégeant les locataires et les propriétaires, encore une fois. Et nous voulons que d'autres partenaires se mettent autour de la table. Ça se fera de manière très simple par commission et par dossier. Et à partir de là, eh bien, la ville financera progressivement, selon le degré de la crise, par budget. Voilà. Donc, très clairement, ce budget, on ne peut pas l'établir à ce stade, mais c'est un budget qui a été réfléchi, consacré dans le cadre de la préparation de notre projet, qui peut s'élever, bien sûr, soit quelques dizaines de millions d'euros, soit plus si la crise est plus importante. En tout cas, nous serons prêts à mettre le paquet parce que ça nous paraît important. Alors, Agnès Buzyn a également fait des propositions en matière d'urbanisme et notamment proposé la mise en place d'une règle dite verte où tous les grands projets urbains seraient soumis à un conseil scientifique et citoyen. Selon vous, Pierre-Yves Bournazel, est-ce qu'une telle mesure ne risque-t-il pas de complexifier et de rallonger les délais d'urbanisme? Alors, c'est tout le contraire. Je vais parler du constat d'abord. Madame Hidalgo, dans son mandat 2014 et 2020, elle a bétonné Paris et elle a eu beaucoup de projets de bétonisation. Nous, on ne croit pas que ce soit
le bon moyen de faire de Paris une capitale agréable à vivre et attractive. Pourquoi ? Parce que d'abord, il faut changer la gouvernance. Il ne faut plus la penser à Paris, mais à l'échelle du Grand Paris. Il faut penser les logiques d'attractivité économique, les logiques de logement à l'échelle du Grand Paris. Et c'est ce que veut incarner et porter Agnès Buzyn comme maire, savoir travailler avec les autres, avec l'État, avec la région, avec la métropole, avec les communes riveraines, avec les partenaires privés. Si on veut résoudre la crise du logement, c'est bien à l'échelle du Grand Paris qu'il faut s'attaquer. Et dans une ville hyper dense comme Paris, petite en termes de superficie, 105 km², il nous faut protéger aussi la qualité de vie des Parisiens et il ne faut pas construire à tout va. Il faut construire de manière qualitative. Et donc, nous ne sommes pas dans cette logique de béton. Nous sommes dans une logique de projet qualitatif. Et dans ces projets qualitatifs, où on peut évidemment remettre, comme je disais tout à l'heure, des logements vacants sur le marché par des incitations fiscales, où on peut aussi rénover et réhabiliter des logements qui sont usagés ou insalubres, pour les remettre aussi sur le marché de manière qualitative. On peut aussi, sur certains lieux, construire, mais de manière équilibrée. Et si on instaure une règle verte, c'est-à-dire par ce conseil qu'on veut mettre en place, ce conseil scientifique et des citoyens, eh bien, on sera beaucoup plus efficace parce qu'on évitera beaucoup de recours ensuite. Car la ville de Paris, aujourd'hui, elle est bloquée par des recours, par l'impréparation, par le manque de consultation des Parisiennes et des Parisiens. Et si on les a consultés avant, si on a co-construit, collaboré ensemble des projets, citoyens, scientifiques, élus, professionnels, eh bien alors ces projets seront beaucoup plus acceptés, s'intégreront plus facilement et on ira beaucoup plus vite dans leur mise en œuvre et dans leur mise en place parce qu'on sera sorti du conflit. C'est une méthode de travail qui me semble plus respectueuse et beaucoup plus efficace en termes de résultats. Justement, sur ces projets, lors du débat télévisé du 17 juin, Madame Agnès Buzyn a évoqué un moratoire sur tous les projets de construction. Qu'en est-il alors des acteurs déjà engagés sur ces projets qui sont fragilisés par, la pandémie du Covid-19 ? Alors, c'est un sujet. Un moratoire, ça veut dire de faire un point sur l'ensemble des sujets, puisque Madame Hidalgo, je vous l'ai dit, a beaucoup bétonné, bitumé, et nous, ce n'est pas notre vision des choses, et qu'on pense qu'il y a des sujets sur lesquels il y a un blocage avec les citoyens, les Parisiens, et que donc, pour débloquer la situation, il faut être capable de voir quels sont les bons projets, comment ils peuvent éventuellement être réorientés de manière efficace au service de Paris, du Grand Paris, et de faire en sorte que les professionnels puissent travailler avec de la stabilité, avec une vision. Savoir quand on investit, qu'on le fait dans la durée pour tel ou tel projet. Et la ville va s'investir davantage, notamment pour la végétalisation des projets, elle va financer davantage pour la qualité de vie des Parisiennes et des Parisiens. Et ça, ça paraît quand même un élément important. Ces moratoires, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, à Bercy-Charenton, très clairement, nous sommes opposés à la construction de 6 tours, parce que nous pensons que c'est une mauvaise vision de l'urbanisme à Paris. 6 tours, d'abord parce que à Bercy-Charenton, on n'a pas besoin d'une frontière supplémentaire entre Paris et son Grand Paris. On a plutôt besoin d'un projet qui crée la continuité géographique et qui permette d'avoir à la fois des lieux de respiration, du logement, de l'activité économique. On veut repenser ce projet rapidement avec les citoyens, avec ce conseil scientifique, avec cette règle verte, pour avoir un projet digne de ce nom et qui fasse rayonner Paris partout dans le monde parce qu'on aurait justement un temps d'avance en matière urbanistique et pas 3 temps de retard, car les 6 tours, c'est 3 temps de retard. C'est l'urbanisme du XXe siècle et nous, il faut qu'on invente l'urbanisme post-COP21. Voilà, donc il faut être en capacité de porter ces nouveaux projets-là et c'est la raison pour laquelle, très clairement, ce moratoire est une exigence aujourd'hui pour réussir la transformation de Paris sur le plan écologique, sur le plan du logement et de l'attractivité économique. Et qu'en est-il du projet de chapelle internationale dans votre arrondissement, le 18e arrondissement de Paris ? Sera-t-il mis entre parenthèses ? Alors, en tout cas, ce que nous souhaitons, non, il n'y a pas de projet mis en parenthèse, il y a une volonté de faire en sorte que les engagements qui avaient été pris il y a quelques années soient tenus, notamment en matière d'espace vert. Voilà. Nous estimons que nous manquons cruellement d'espace vert dans une ville très dense, que quand on crée de l'habitation, il faut que les gens puissent y vivre de manière qualitative, puissent se poser, puissent y respirer. Et donc, nous serons très attachés à travailler sur un véritable espace vert digne de ce nom, tel que les engagements avaient été pris et non pas de manière partielle. Voilà. Donc, c'est très clair. Voilà. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est créer aussi progressivement sur tous les projets, notamment qui sont proches des portes de Paris, de la continuité géographique entre Paris et ce qu'on appelle trop souvent la banlieue, qui pour nous n'est pas la banlieue, puisque c'est le Grand Paris. Comment on invente avec les maires des communes riveraines
avec la métropole, avec tous les partenaires privés, des projets d'envergure qui transcendent cette frontière artificielle qui est le périphérique, si on veut construire la ville-monde exemplaire sur le plan écologique, sur le plan de l'attractivité économique du XXIe siècle. Alors, il y a un sujet également sur le commerce et la restauration, secteur évidemment très touché par la pandémie du Covid-19. Agnès Buzyn a notamment proposé une exonération à destination de ces commerces et de ces restaurants pendant un an et qui pourrait être renouvelable une fois. À combien estimez-vous le coût d'une telle mesure ? Alors, on veut faire un plan Marshall pour l'économie. C'est un plan Marshall de 400 millions d'euros. Un plan Marshall pour créer une AD blanche, renouvelable éventuellement selon la durée de la crise, pour un certain nombre de taxes, de redevances de la ville au service des commerçants, des artisans et des entrepreneurs pour soutenir l'activité économique, soutenir donc l'emploi et soutenir le pouvoir d'achat. Nous avons été les premiers à porter ce plan Marshall parce que nous pensons que Paris doit accompagner son attractivité économique et son rayonnement. Pour nous, c'est très, très important. Et donc, ça, c'est un exemple très concret. Ensuite, nous allons créer un fonds de solidarité pour l'activité économique dont les aides seront allouées directement sur le terrain par les mairies d'arrondissement au plus près du terrain. C'est à peu près, dans notre plan Marshall, 170 millions d'euros, ce qui permettrait évidemment de soutenir ici des commerces qui sont menacés parce qu'ils ont des trésoreries compliquées ou des loyers trop importants, soutenir aussi cette présence de l'activité économique dans nos quartiers, dans sa diversité. Ça paraît très important. Nous allons défendre aussi tous les artisans qui exploitent des commerces de bouche, des commerces à vocation culturelle, on parle notamment des librairies indépendantes, par des loyers modérés, par éventuellement de la préemption ou par le rachat de baux ou par la location par la ville de Beaux pour les remettre au service de commerce et d'artisans pour qu'ils puissent vivre de leur métier dans les différents quartiers et villages de Paris. Donc c'est un soutien très fort à l'activité économique. Et ce plan Marshall et ces différents fonds, comment allez-vous les financer alors ? Nous les finançons par le budget de la ville, exceptionnel, parce que si nous ne finançons pas ce plan Marshall, ça nous coûtera beaucoup plus cher et beaucoup plus cher aux contribuables. Car la perte des commerces, la perte de l'entreprise, de l'attractivité, ça va coûter très cher en matière d'emploi à Paris, ça coûtera très cher en matière de pouvoir d'achat. Et la paupérisation d'une ville, ça coûte beaucoup plus cher au budget d'une collectivité, surtout que Paris est à la fois dans une fusion de villes et départements, à la compétence sociale, et ça coûtera beaucoup plus cher. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est la logique. Nous, dans une période de crise économique, sociale, profonde, nous voulons soutenir tous les acteurs économiques. J'ai cité les commerçants, mais c'est vrai aussi sur le secteur culturel, les entreprises culturelles, les artistes, les auteurs, pour leur permettre de traverser la crise, de maintenir leur activité, de pouvoir recréer eux-mêmes les conditions ensuite d'une bonne croissance, d'une bonne trésorerie pour repartir de l'avant. Et ensuite, les aides pourront, à ce moment-là, quand il y aura la croissance, s'arrêter. Et au moins, on aura permis de sauvegarder de l'emploi, et ça nous permet d'avancer. Alors à côté, nous faisons des économies sur le budget de la ville. Depuis longtemps, nous avons prévu des budgets d'économie. Nous voulons aussi rationaliser un certain nombre de dépenses, rapprocher un certain nombre d'établissements, de bailleurs ou d'organismes de la ville de Paris pour faire des réductions de dépenses de fonctionnement. Nous souhaitons aussi lutter contre un certain nombre de postes dans la technostructure de l'hôtel de ville, donc ne pas remplacer tous les fonctionnaires et agents publics dans la bureaucratie, j'entends. Sur le terrain, nous voulons les conserver et même parfois en augmenter, mais nous voulons diminuer le nombre dans la bureaucratie. Il y a eu une multiplication de nombre de sous-directions sous cette dernière mandature. Ce n'est pas normal, donc là-dessus, nous avons un plan d'économie. Nous avons un plan d'économie aussi sur le train de ville, hôtel de ville. Nous voulons supprimer les voitures, par exemple, avec chauffeurs, des élus et la haute administration parisienne. C'est plusieurs dizaines de millions d'euros d'économies sur la mandature. Nous voulons supprimer, par exemple, les jetons de présence dans les conseils d'administration pour les élus qui siègent déjà au Conseil de Paris et qui sont payés pour siéger dans ces conseils d'administration. Il n'y a pas besoin d'émoluments supplémentaires dans ces conseils d'administration. Donc, on a fait un vrai plan d'économie à côté et l'argent doit être plutôt investi pour soutenir l'activité économique, soutenir le pouvoir d'achat des Parisiennes et des Parisiens. Enfin, M. Bournazel, dernière question. Le modèle de gouvernance de la métropole du Grand Paris est-il à revoir ? Et faut-il faire évoluer cette institution, selon vous ? Alors, on a un échelon administratif important, c'est celui de la métropole, qui répond à de véritables enjeux, l'enjeu économique, l'enjeu politique d'urbanisme, de logement,
l'enjeu écologique, bien sûr, et je dirais aussi la stratégie, voilà, la stratégie de la ville monde. Simplement, il y a trop d'échelons aujourd'hui. Nous avons à Paris 17 mairies d'arrondissement de secteur. Paris a un statut dérogatoire, vous le savez, sur des questions de sécurité, et en même temps, elle a les compétences d'un département sur la compétence sociale. Autour, il y a 3 départements de petite couronne, il y a 4 départements de grande couronne, une métropole avec des établissements publics territoriaux et une région. C'est trop compliqué, personne n'y comprend rien, ni les acteurs économiques, ni les citoyens. Nous nous sommes pour une simplification. Une simplification avec de la volonté politique, par exemple. On n'a pas besoin d'attendre de changer de schéma institutionnel. Par exemple, nous, on propose avec Agnès Buzyn la fusion du comité régional du tourisme et de l'office municipal de tourisme de Paris. Un seul interlocuteur pour tous les investisseurs étrangers et pour les acteurs du tourisme à Paris et en Ile-de-France. Mais là, nous voulons qu'à la métropole, il y ait une simplification, que la métropole s'occupe des compétences qui sont liées au logement, à la stratégie d'urbanisme, d'attractivité économique et de lutte contre les pollutions, d'écologie. Nous sommes prêts à mettre des responsabilités que la ville de Paris a aujourd'hui dans un pot commun pour faire avancer beaucoup plus vite les dossiers et pour qu'on soit au rendez-vous de ce 21e siècle avec une gouvernance qui soit davantage partagée et en recherchant la culture de l'efficacité des politiques publiques au détriment de l'éparpillement administratif qui coûte très cher dans les dépenses de fonctionnement et qui crée de l'inefficacité dans les prises de décision. Voilà. Il faut penser à la bonne échelle. L'avenir, c'est l'échelle du Grand Paris. Donc, cette métropole, il faut lui donner du poids, de la légitimité et des pouvoirs pour qu'elle permette d'aller beaucoup, beaucoup plus vite dans la mise en œuvre et la production de politiques publiques. Bien, merci Monsieur Bournazel d'avoir répondu. Merci à vous. Question. Merci Alexandre Fouatelli de m'avoir accompagné lors de cette interview. Quant à nous, on se retrouve très vite sur VITV.